Je dis bien, est-ce que vous confirmez que le président Moussa Dadis Camara vous a confié ou vous a informé que c'est au colonel Tcheboro Camara qu'il a confié la mission du maintien d'ordre pour la journée du 28 septembre, au stade du même nom? J'ai bien dit, j'ai dit que la mission auquel le colonel Tcheboro, il est toujours chargé de maintien des ordres avec la police. C'est pas ça. J'ai dit bien. Quand les gendarmes vous ont posé la question de savoir qui maintenait l'ordre au stade, vous avez dit que le président Moussa Dadis vous a dit qu'il avait confié cette mission au colonel Tcheboro Camara. Moi, je n'ai pas dit que le président a donné l'ordre. Hein? Je n'ai pas dit que le président a donné l'ordre. Ah bon? Il dit, je vais lire votre propre PV sur la 5e page. Vous avez déclaré ceci. C'est du président Dadis que j'ai appris la désignation de Tcheboro pour la mission du maintien d'ordre au stade du 28 septembre. Est-ce que vous reconnaissez ça au moins, puisque ça c'est votre déclaration? Pour la mission, si j'ai appris, bon non, je n'ai pas appris ça. Mais pourtant vous avez reconnu votre signature hier sur le PV, vous avez dit que c'est vous qui avez signé. Non. J'ai dit, j'aurais appris. Vous avez dit que ça vient du président. Non. Que c'est le président qui vous a dit ça. Moi, j'aurais appris à travers, dans le camp, à travers les militaires, en parlant. D'accord. C'est par rapport à ça qu'il est allé effectivement exécuter la mission que je lui avais confiée. D'accord. Il était revenu vers quelle heure? Oh, il était venu après. Bon, je ne peux pas exactement. C'est après les événements. C'est après qu'il y a effectivement le massacre au stade du 28 septembre qu'il est venu. Oui, il dit que quand il est arrivé à Bambeto, il a appris ce qui se passait au stade. Mais à son retour au camp, il vous a fait le compte rendu, non seulement de sa mission, mais de ce qu'il avait appris. Et à cette occasion, vous lui avez dit que c'est vous qui avez envoyé le colonel Tcheboro pour maintenir l'ordre au stade. C'est PV qui a dit ça, ici. Oui, mais le colonel PV a dit devant vous, ici, monsieur le procureur, qu'il ne l'a pas dit. Donc, non, il l'a dit, hein. Nous, on l'a noté. Ouais, mais moi, j'ai dit bien que toute personne qui fait des déclarations de la sorte n'engage que cette personne. Voilà. Donc, ce qu'il a déclaré là, dire que c'est vous qui avez envoyé je n'ai jamais envoyé le colonel Tcheboro. Le colonel Tcheboro, c'est sa mission. C'est un gendarme, un officier de police judiciaire. Ils sont chargés du maintien d'ordre le matin. Donc, monsieur le colonel Pivi n'a pas dit la vérité par rapport à ce point. Non, s'il dit que j'ai envoyé le colonel Tcheboro, je n'ai jamais envoyé le colonel Tcheboro. Merci beaucoup.